rendre, mettre à l'eau en fait l'optimiste. Ça, c'est le petit bateau là, que vous voyez habituellement sur le dessus du pont. D'ailleurs, bien contente. Vous allez essayer ça aussi, les filles? Ouais, hein? Moana à naviguant. Hein, Marine? Bien, les ailes! Youhou! Yes! Bye bye, Havre Robert! À une prochaine fois, je suis convaincu parce que. Ah, c'est déjà choisi une maison. On a déjà une maison, hein? Ouais. On va revenir vivre ici, je pense. C'est une superbe place. On a vraiment aimé Havre Robert. Mais ça fait quoi, Julie, 4 nuits qu'on couche ici? Cap aux Meules, on vient d'arriver, on s'est trouvé une place à Marina, c'est le fun. Parce qu'on s'attendait pas à ça, on pensait être à l'ancre. Puis nous ont trouvé une place. Fait qu'on est bien contents, puis on s'en va explorer un petit peu la ville, la plus grosse ville des îles, le plus gros port aussi, beaucoup de bateaux de pêche. Puis on voit le caractère. Et taquer là-bas. Hier soir, vers à peu près 10 heures du bateau, j'étais capable de voir les pêcheurs ici qui levaient avec la grue des gros flétans. J'ai calculé 5 ou 6 flétans, dont un qui ont mentionné qui faisait 132 livres. Par tes poignets. On est bien content de notre petit arrêt à Cap aux Meules. À quelques minutes de marche seulement, là, il y a plein de petits commerces de la place avec des produits, beaucoup de produits régionaux. Ça nous a permis de se ravitailler parce qu'on prévoit être au moins là, une semaine, sinon 10 jours sans avoir accès à une épicerie. Une belle poissonnerie. Hier, Jean, vers 10 heures, hier soir, a vu des pêcheurs arriver là, avec des gros flétans, fait que ça nous a donné le goût d'en manger. Alors, il y avait du beau flétan frais d'hier à la poissonnerie, une belle boucherie aussi. Puis ce matin, il y avait le marché public avec des légumes des îles de la Madeleine. Ce que j'ai lu là, dans le petit guide touristique, c'est qu'ici aux îles, là, il y a beaucoup d'autosuffisance au niveau des produits alimentaires. D'ailleurs, hier, on a acheté des œufs qui viennent des îles. On a du café aussi qui est horrifié aux îles. Ça rajoute à l'expérience de pouvoir goûter les produits de la place.
fort, la belle vague. Vraiment beau, super beau ici, les filles qui trippent bien raide des vagues. Je pense que c'est la première fois qu'ils se baignent comme ça dans les grosses vagues. C'est le fun de les voir aller. On a changé nos plans, on devait aller à la plage, mais là, après 30 minutes de marche, on s'est rendu compte que c'était un petit peu loin. On trouvait que ça sentait le souffle pas mal, fait qu'on a décidé de chercher des coques. Ça fait un petit snack ce soir, fait que comment on fait, comment on s'y prend? On regarde des petits trous dans le sable, on est à marée basse. On est à la recherche d'une plage. Va-t-il y avoir une plage en haut de la petite butte? On a trouvé notre plage, mais un petit défi, allez! Vas-y! La dune du Nord! Des plages partout aux îles, et elles sont toutes plus belles l'une que les autres. Et ici, on est tout seul sur la plage, c'est vraiment le fun. C'est sauvage. On se baigne beaucoup. Elena sort de sa barre. Ouais, on s'en va de l'île aux loups marins qui est située complètement à l'est des îles de la Madeleine. Là, c'est un petit peu touché à sortir d'ici parce qu'il y a des. Beaucoup de bouées de la culture de moules. Puis faut pas rentrer dedans bien entendu, faut les éviter. Fait que c'est ce qu'on va faire. Vraiment aller à la plage des dollars de sable. Oui. Okay. Demain, on se lève tôt avec la famille, puis on y va à la plage des dollars de sable. L'après-midi, on retourne à quai, puis on va à la montagne où tu voulais monter. Bon. Mais allez-vous être capable de monter jusqu'à la montagne? Ben oui, s'il y a des escaliers. Il n'y a pas d'escalier, là. C'est comme la. De l'autre jour, comme quand on est allé à la croix, là. Ouais. Y a-tu un chemin? Ben oui, il y a un chemin. Là, on est comme en conseiller à bus de famille. Là, on a deux jours ici à Avrobert. On vient de revenir, on est arrivé, c'est cool. Il faut décider qu'est-ce qu'on va faire. Puis après demain, c'est la fête à Victoria. Bon, mais ce soir, c'est la fête de notre grande fille. Fête Victoria! Bonne fête Victoria! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Victoria! Hip hip hip! Hurrah! Hurrah! Hurrah!